Bonjour à tous les amis, c'est Kitsuko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on est sur Xenoverse 2, et oui, sur Dragon Ball Xenoverse 2 les gars. Ça fait plaisir, et oui ça fait plaisir, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Xenoverse 2. Ça fait vraiment plaisir, pourquoi? Parce que déjà c'est un jeu que j'aime énormément, mais aussi c'est un jeu que j'ai proposé énormément sur ma chaîne. Vraiment, je crois qu'il y a, ouais, il y a beaucoup de vidéos sur Xenoverse 2 sur ma chaîne. Alors, sachant que j'ai supprimé pas mal de vidéos, mais franchement, je me rappelle, c'était incroyable. Je sortais tout le temps. Tout le temps, je sortais des vidéos sur Xenoverse 2, surtout durant l'année 2017, parce que c'était... Bon, le jeu est sorti en octobre 2016, ça fait déjà presque... Ça fait plus de 5 ans, plus de 5 ans et demi. Enfin, ouais, à peu près, ça fait 5 ans et demi. Et ça fait presque 6 ans que le jeu est sorti au mois d'octobre, je crois que c'était le 28 octobre, un truc comme ça, je me rappelle très bien. C'était vraiment incroyable quand il est sorti, vraiment, c'était vraiment énorme. J'avais déjà joué au 1, mais en plus quand le 2 est sorti, c'était magnifique. Et ce qui est dommage, c'est que depuis, on n'a pas eu de suite à Xenoverse 2, c'est-à-dire on n'a pas eu un Xenoverse 3 pourtant. Je me rappelle que je crois en 2017, avant la sortie de FighterZ, bien avant, durant l'été 2017, ils avaient annoncé que, bon, sachant que FighterZ est sorti en janvier 2018, mais ils avaient annoncé que Xenoverse 3, vu qu'il a plu au public, parce que ce jeu a plu au public, franchement, il a beaucoup plu aux gens. Et du coup, ben, ils avaient annoncé qu'ils allaient, qu'ils étaient d'accord faire un Xenoverse 3. Mais depuis, il n'y a rien eu. Après, alors je sais pas si c'est parce que l'anime Dragon Ball est actuellement en pause. Voilà, donc peut-être c'est pour ça. Malgré qu'il y a le manga entre-temps, mais bon, je pense que c'est mieux qu'il y ait l'anime pour pouvoir continuer un jeu. Donc voilà, mais... Mais voilà, je sais pas, franchement, j'ai pas regardé des news, tout ça, depuis, voilà, je me suis plus trop intéressé au sujet. Mais du coup, voilà, les gars, on est sur Xenoverse 2, et oui, pourquoi j'ai voulu aller dessus, les gars, comme je dis, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, surtout aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus, comme je l'ai dit. Je crois, je sais plus c'est quoi ma dernière vidéo sur Xenoverse 2, franchement, je m'en rappelle même plus. Si je me trompe pas, la vidéo doit dater, ma dernière vidéo doit dater de 2018 ou 2019. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, un délire comme, je crois que c'est même 2018, je crois, un délire comme ça, les gars, ça fait presque 4 ans ou 3 ans. Si c'est 2019 que j'ai pas fait de vidéo sur Xenoverse 2. Et c'est vraiment un grand plaisir parce que c'est un jeu vraiment que j'ai beaucoup joué. J'ai mon personnage niveau 99, niveau max. Bah, j'ai fini le jeu, je l'ai terminé, voilà. Alors j'ai quasiment tous les DLC. Alors je crois qu'il me... Non, je crois que je les ai tous même. Hein. Je crois qu'il me manque juste des personnages... Je crois qu'il manque deux personnages. Je crois que c'est Black Goku normal. Vous voyez, parce que j'ai Black Goku rosé. Et un autre perso, je crois. Je crois que c'est un DLC ou un perso, je sais plus. Mais du coup, voilà. Du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire une quête parallèle, voilà, parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas faite. Donc, alors, là, vous pouvez remarquer, j'ai les nouvelles quêtes. Alors, on va pas faire cela, pourquoi? Parce que cela, je préfère les faire dans une meilleure condition, c'est-à-dire en ligne, tout ça, c'est mieux, parce que c'est vraiment des quêtes difficiles, vraiment. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc voilà, je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de proposer un gameplay, les gars, que je perds. Donc, forcément, c'est mieux que je vous fais un gameplay. Dans une partie facile. Alors, on va changer une bonne... Alors, tout ça, à partir de nouvelles quêtes, ce sont tous, en fait, de la quête numéro 1 jusqu'à la quête 100, ce sont les quêtes originales du jeu. Mais à partir de la quête 101, à partir de celle-là, bah, c'est que les DLC. Tout ça, c'est les DLC. Voilà, donc je les ai tous faits, sauf le dernier DLC. Voilà, parce que moi, j'achetais les DLC, les gars, je faisais même pas les quêtes, des fois, vous voyez, juste pour les persos. Donc, voilà, du coup, alors, on va choisir une quête, c'est parti. Alors là, j'ai fait, ok, voilà, c'est assez simple, franchement, on va trouver une quête un peu plus difficile, donc on va prendre quoi, elle est, non, celle-là, je la connais, elle est, je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait, voilà, c'est quoi, on va prendre une quête en ligne, quand même, d'accord, j'aimerais bien prendre une quête, les gars, où on a les boules de cristal, parce qu'il m'en manque deux, j'ai regardé, il m'en manque deux, donc ce serait bien pour, parce que je sais qu'on peut faire des vœux pour débloquer un personnage, à moins que j'ai tous débloqué, je me rappelle, c'était pour, le premier vœu, c'était pour débloquer Hit. C'était incroyable, franchement, je me rappelle. Après, il y avait pour débloquer les tenues, la tenue du Saiyan doré, du guerrier argenté, je les ai tous. Franchement, c'est incroyable. Même la tenue de Baby Vegeta qui était super chante. Ah, je l'ai pas faite celle-là. Ah, je l'ai pas faite, ok. D'accord. Tenue de Janemba, ah ouais, de stylé. Elle a l'air déter la mission, vu les personnages. Bon, c'est pas grave. Attrape Kefla si tu peux. Ok, bon, on va faire ça là, je pense. Là, Goten, Trunk, couleur, Goku, Vegeta. Atteint le palais divin, il y a 4 endroits. Ok, alors on gagne quoi? On gagne. Je ne suis pas prêt à vous... Je suis prêt à... Je ne suis pas prêt. Je suis prêt à vous écraser. Concasseur gigantesque. Ok, donc c'est parti les gars. On va voir un peu ce que ça donne. Alors c'est une nouvelle quête. Je pensais pas que... C'est pas l'année dernière. Je sais pas si c'est de quel DLC. Peut-être la quête de Kefla. Je pense que c'est dans la DLC où il y a Kefla. Alors voilà tous les personnages. Alors, sachant les gars que sur Xenoverse 2, il y a vraiment énormément de personnages. C'est un truc de malade. Franchement, il y en a énormément quand on y pense. Regardez, déjà, regardez toutes les tenues qu'il y a de Goku. C'est un truc de fou. Bon, ça là, ça compte pas, ça c'est les tenues personnalisées où on... Bon, c'est moi qui ai mis, j'ai mis quoi dessus d'ailleurs.
Voilà, j'ai mis Super Genkidama, Super Kamea, Explosion Spirituelle, Charge Maximum, Attaque Kaioken, Kamamea, Super Point Dragon. Voilà, j'ai mis plusieurs choses en même temps. Donc voilà, regardez-moi tous les persos qu'il y a, les gars, c'est un truc de malade. Franchement, sur Xenoverse de Korn, Nikan, je crois, il y a plus de 100 persos, même, je crois, si je me trompe pas. Mais c'est vraiment énorme, franchement, c'est énorme. Du coup, là, les gars, il me manque un perso. Bah, c'est le Black Goku normal, hein, voilà. C'est lui qui me manque. C'est un DLC, il vaut 5€, je crois. Si je m'en souviens bien, peut-être il a dû baisser, peut-être monter, je sais pas. Mais voilà. Du coup, là, les gars, alors on va prendre mon personnage, bien évidemment. Voilà, c'est le classique Gitsuko, frérot. Tu peux pas test, voilà. J'ai mis. Par contre, merde, j'aurais pas dû prendre Radiation Ultime, mais j'aime pas trop cette attaque. Elle est assez lente à. Bon, c'est pas grave, voilà, je vais la prendre quand même. Avec nous, les gars, on va prendre alors Jiren. Pourquoi? Parce que c'est Jiren, les gars, vous savez très bien qu'il est déter. Et. Alors, juste entre Goku Ultra Instinct ou. Non, on va prendre Gogeta. Gogeta, Big Bang, Châtiment Divin, Big Bang. Voilà, on va prendre ça. Donc voilà, là, pour vous dire, on a une team assez déter quand même. Assez déter, je suis gentil. Très déter. Donc du coup, voilà, les gars. Alors, en espérant gagner cette partie, sachant que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Très longtemps. Je crois que j'avais joué peut-être l'année dernière, on va dire, quelques parties, on va dire. Des fois, ça m'arrive de retourner sur le jeu, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, en tout cas, quelques mois quand même. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va prendre un peu l'énergie. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Bon, de toute façon, il y a les sous-titres, voilà, pourquoi je lis. Alors, on va se transformer. Alors, futur chez personnel, les gars. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés sur le jeu. C'est un truc de malade. Ils sortent encore des trucs sur le jeu. Des fois, j'allume la play, les gars. Je vois mise à jour de Xenoverse 2. C'est un truc de dingue. Le jeu a presque 6 ans. Il y a encore des mises à jour. Le jeu est incroyable. Franchement, Xenoverse 2, les gars, c'est le dernier Dragon Ball, personnellement, que j'ai aimé. FighterZ et Kakarot, pour moi, ne sont pas du tout au-dessus. Du par le gameplay et même tout ce qui est DLC, tout ça, je trouve que c'est assez. C'est assez chiant, quoi. C'est parti. Alors, par là. Allez, viens là, Trunk petit. Alors, il y a une attaque que j'ai... Regardez-moi cette attaque. Regardez. Ah, merde. Faut que j'arrive à lui faire. Oh, par contre, ça, je déteste. Ça, c'est la pire chose. Regardez, les gars, il y a une attaque que j'aime bien faire. Je vais vous montrer. Si j'arrive, parce que il y a bien une chose que j'étais sur Xenoverse 2. Alors, attention, c'est un jeu rageant, les gars. Ah, les gars, ce jeu, il est super rageant. J'ai ragé énormément sur Xenoverse 2. Regardez, c'est l'attaque de Hit. Le Tokitobashi. Regardez, attention, si j'arrive à le faire. Attention, faut qu'il aille juste derrière moi. Ok, Kamehameha Kaioken! Voilà! Allez, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Tac, 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 tac. Allez, il est mort. C'est parti, voilà. Alors, la défense est train. Ah, il y a un temps. Ok, il y a un temps réglementaire. Ah ouais, Gogeta, il se fait défoncer, d'accord. Gogeta, il se fait défoncer facile. Il y a qui? Non. Ah, il y a que Goten. Goten les trinques. Ah bah oui, de toute façon, ils avaient. Me dites pas, par contre, ils vont se mettre en Gotrinque. C'est sûr, c'est sûr. Ah, 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 ah. Non, et ouais, putain, tu casses les couilles, Gogeta. Regardez, oh là là, ça c'est une attaque vraiment, elle est trop cheatée, mais ça c'est là. Le personnage auquel je suis le plus fort sur le jeu, c'est Hit. Hit, il est incroyablement fort, les gars, c'est incroyable, vraiment c'est énorme. Parfait, allez, alors est-ce qu'il y a des. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des patrollers là. Les patrollers, c'est quoi? C'est un peu des. C'est des persos comme moi, mais des persos en ligne, mais qui deviennent des intelligences artificielles. Et qui nous permet de gagner des boules de cristal. Et vu que j'en ai besoin, il m'en manque deux, donc c'est pas mal. Voilà, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. Ok. Du coup, il reste qui alors, je crois. Alors, Goten et Trunks, il restait qui d'autre, les gars? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus qui restait. Je sais plus trop. Franchement, je sais plus trop qui restait. Si je me trompe pas, il manque. Bon, je sais plus. Je sais qu'il y a Goku et Vegeta. Ah oui, oh putain, il y a plusieurs en plus. Oh, alors, frérot. Alors, eux, frérot, ils sont vraiment déter. Hein. Mais putain, mais. Ah, en plus, il y en a plusieurs. Mais frère, mais tu. Mais non, mais. Oh, mais c'est horrible. C'est. Oh, c'est insupportable. Les gars, je vous dis, Xenoverse 2 fait partie des jeux que j'ai le plus rageé dans ma vie. Vraiment, il est insupportable quand il y a des trucs comme ça. En fait, dans ce jeu, des fois, ce que j'aimais pas, les gars, c'est qu'il y a des moments où on pouvait vraiment rien faire. Regardez. Allez, tu as vraiment arrêté de me casser les couilles. Voilà. Oh, frère, l'attaque, les gars, l'attaque de... Oh là, mais... Regardez, les gars, on va m'attaquer direct. Allez, viens là. Oh là, mais putain, mais c'est trop cheaté. Mais... les gars, c'est trop cheaté. Pour ceux qui veulent savoir comment on fait pour l'avoir, c'est il faut avoir Hit en maître.
Et pour ceux qui se demandent aussi, parce que ça c'est une question que je me posais depuis le début du jeu, au tout début. Par contre, les gars, j'ai pas du tout mon endurance qui revient. Hein. J'ai besoin de mettre de la vie à Gogeta en plus là. Voilà, allez, prends ça. Ah, mais il est chiant. Là, je me trans. Voilà, ok. Il ne manque plus personne. Ok, qu'est-ce qui arrive? Goku? Oh putain, ils sont encore là, ils sont encore là. En fait, ça m'emmerderait si Gogeta il se fait défoncer là, parce qu'il a une vie de merde là. Ah ouais, à 3 en même temps, ok, d'accord, ils sont déterrés. J'ai pas pris les bonnes attaques, les gars. Putain, mais il fait chier! Allez, casse-toi. Casse-toi, mais. J'ai pas d'endurance, les gars, dans ce jeu, quand tu n'as pas d'endurance, tu es une grosse merde. Il est plus important d'avoir de l'endurance que de la santé, moi je vous le dis. Franchement, l'endurance, faut au moins un minimum de barres pour pouvoir se téléporter, ouais, derrière lui. Regardez, là, il y en a qu'une. Voilà, allez, casse-toi. Mais c'est pas possible. Allez, casse-toi. Non! Regardez quand tu fais ça. Ah, ça, c'est le pire truc aussi. Vous voyez, quand on casse endurance, c'est le pire truc. C'est pour ça que je dis, ce jeu, vraiment, il est incroyable. Je le kiffe, hein. Mais comme il est rageant, c'est un truc de fou. Allez, va se téléporter, c'est sûr! Oh là là, putain, mais l'esquive, elle est incroyable. Elle est incroyable, les gars, l'esquive, elle est incroyable. Ah oui, il y a Kefla. Je pense qu'il y aura Kefla. Alors, est-ce qu'il y a des patrouilleurs, s'il vous plaît? C'est un combat supplémentaire, mais tant pis, ça vaut le coup, de toute façon. Ok, d'accord. D'accord, pas de paix, il y a personne. Niveau capsule, je suis bien, donc voilà. Du coup, ouais, les gars, oui, du coup, je disais, pour avoir hit en entraîneur, les gars, faut d'abord faire tous les entraîneurs qu'il y a avant. En fait, il faut faire plusieurs maîtres, enfin, plusieurs entraîneurs, que ce soit les personnages qu'il y a dans la map, pour pouvoir débloquer les... Oh putain, Goku, c'est le pire perso sur le jeu. Goku égale, les gars, c'est les pires. Allez, casse-toi, vite. Non, bouge-toi. Ah là, il est tellement lent à faire son attaque. Voilà, ça va, ils sont que deux, donc ça passe. S'ils sont deux, les gars, ça passe. Le problème du Kaioken x10, les gars, c'est du Kaioken Kamehameha, faut absolument que j'ai deux barres d'endurance de ki, parce que sinon... Ah, putain, il m'a fait une attaque stylée, là. Casse-toi. Eh ouais, mais comment... J'arrive jamais à comprendre comment ils font pour réussir à m'avoir dans sa trajectoire. Dans sa trajectoire, pardon. Allez. Regarde-moi ça, à chaque fois que je veux. Faut se bouger le cul. Allez. Casse-toi, Gogeta, casse-toi. Alors, en plus, Gogeta est sur Goku. Eh merde, Jiren, il se fait dépenser. Non, casse-toi, tu fais chier. Allez, meurs, c'est ma dernière solution. Allez, oui. Allez, putain, j'ai plus d'endurance, moi aussi, ouais, je suis à sec d'endurance, les gars. C'est un truc de malade. Allez. Casse-toi, Vegeta. Allez, on va se mettre en super. Regardez, les gars, la technique pour faire le Big Bang comme il est normal, il faut regarder. Ça, c'est super cheaté. En fait, pour que le Big Bang Kamehameha vous téléporte derrière lui, il faut être en Super Saiyan obligatoire. Oh là là, là, c'est incroyable. Voilà, des fois, il se téléporte pas parce qu'il a pas besoin de se téléporter, vous voyez. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Merde, pourquoi est-ce que j'ai pris une capsule? J'ai pris une capsule. J'ai fait une erreur. Alors, contre qui on va tomber? En pari, Goten et Vegeto, les gars, ou Gogeta? Obligé, la fusion de Goten et Trunks et de Goku et Vegeta. Non, c'est pas fini. Il y a Kefla. Ah non. Ok, bon, c'était rapide. Ouais, goûter, c'était rapide, les gars, franchement. Rang Z ou pas? Rang S, ok. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une attaque? Ok, bon, c'est mieux que rien, Bon, de toute façon, je suis blindé niveau attaque. Du coup, les amis, c'est bien passé. On a gagné facilement. En vrai, ça va, c'était pas si difficile que ça. Et c'est bien parce qu'il me fallait une quête pour une quête en plus à réussir, parce que je l'avais pas faite, celle-là. Et elle était pas si dure que ça, mais je crois pas qu'il manquait que ça, parce qu'en général... Quand il y a marqué juste fin, eh ben, ça veut dire qu'il y a un truc en plus normalement. Normalement, il y a marqué fin ultime.
quand il y a un truc en plus. Parce que le moment ne devait pas être en Kefla, c'était pas normal qu'il y avait ça. Pour ceux qui aimeraient savoir où est-ce qu'il y a Hit, les gars, en tant qu'entraîneur, il est là actuellement, il est toujours devant le tournoi. Voilà, il est tout le temps ici, il bouge pas, il est là, il bouge pas. Donc voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, ça aurait été un plaisir de ma part d'avoir fait cette vidéo. Franchement, c'était vraiment sympa. Pourquoi pas en refaire? Voilà, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Dragon Ball, même sur le manga en général. Ça fait plus d'un an que j'ai pas fait sur le manga en général. La dernière vidéo, c'était sur Naruto. Voilà, sinon depuis, j'ai plus fait de vidéo sur le manga, donc voilà, ça fait très longtemps. Et ça fait vraiment plaisir, donc voilà. Du coup les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, c'était Gitsuko. Ciao tout le monde.